Mercredi soir, rien à signaler. Sinon que Britney, la chatte de la voisine, avait donné naissance à trois chatons que j'avais surnommés Bill, Bob et Jim. Mais pour une raison obscure, Britney avait abandonné ses trois chatons. J'avais donc décidé de les prendre en charge et depuis deux jours, je les nourrissais au compte-gouttes. Et papa, bon, c'est juste mon frère. Manolo, est-ce que tu comprends un seul mot de ce que tu chantes? Ben oui, sinon je chanterais pas, hein? OK, you understand? Ben non. C'est quel, celui-là? C'est Bob. Bob? Le lait? Tu le digères pas? Non, mais là, il y a quelqu'un ici dedans qui vide toujours le sac de lait puis qui le remplace jamais, là. Hey, ça va faire! C'est vrai, maintenant que t'en parles, j'y pense. Ce matin, j'ai voulu me faire un café, mais le sac de lait était vide. Hier aussi. Lundi. Tu vois? Voilà le mystère que je me suis juré de résoudre. Pendant que je commençais ma recherche sur des sites d'agences de détectives privés afin de récolter quelques trucs, ma mère et Marianne revenaient du supermarché. Marianne? Là, je me suis tapé l'épicerie avec toi. Tes enfants veulent s'occuper de remplir le sac. C'est pas de ça dont je veux te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais non, là, c'est pas toi. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Non, mais c'est pas toi, là. C'est rien. T'étais super de bonne humeur à l'épicerie. On n'a pas arrêté de faire des blagues sur le petit préposé au surgelé qui avait un œil sur toi. Puis d'un coup, en arrivant dans l'auto, t'es devenue complètement silencieuse. Est-ce que tu te souviens de la voix de ta mère? De ma mère? Oui. Ben, faut dire qu'elle avait une voix très spéciale, ma mère. Victoria! Viens souper! Puis elle parlait fort, en plus. Manolo avait peur d'elle quand il était petit. Toi, est-ce que tu te souviens de sa voix? J'ai l'impression que je commence à l'oublier. Tantôt dans l'auto, là, mais sa chanson préférée, elle a joué. Normalement, j'ai entendu sa voix dans ma tête. Puis là, maman achetait toujours. Puis là, rien. Avant, là, mais je me rappelais de ses expressions, de son ton. J'avais l'impression qu'il était avec moi. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, quand je parle de ma mère, souvent j'ai l'impression qu'elle est là. J'ai rêvé qu'elle m'appelait sur mon cellulaire. Sa voix a été super claire. Puis elle me disait qu'elle s'ennuyait de moi. Elle aussi. J'ai super peur que... Depuis jamais avoir des signes d'elle. J'ai peur qu'elle soit plus jamais là. T'es sûr qu'on aimerait ça, hein? Es-tu sûre qu'elle nous regarde d'en haut? Tu penses qu'elle serait fière de moi? Ben, je suis sûre qu'elle serait fière de toi. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Puis je suis contente que tu sois rentrée dans ma vie en même temps que Claude. Même quand je boude? Surtout quand tu boudes.
Merci, t'es fine. Pour une belle mère, là, je veux dire. Peut-être qu'on a oublié un sac à l'épicerie puis que c'est le petit préposé au surgelé qui vient nous le porter. Salut, Annabelle. Salut. Salut. Je vais aller chercher les sacs. Salut. Hey, j'avais pensé qu'on aurait pu aller chez... Est-ce que j'arrive au mauvais moment? Mais non, là, je parlais avec Victoria. Là, on parlait de ma mère. Tu t'ennuies d'elle? Mais j'aime pas ça de voir de même. Je sais, là, c'est comme ça. J'imagine ça, avoir un signe d'elle. Ah! Est-ce que vous avez encore votre jeu de Ouija? Si j'avais espionné cette conversation, j'aurais évité beaucoup d'ennuis. Merci de m'aider, ma poupoule. Ça me tentait pas vraiment de faire ça toute seule. Mmh. En tout cas, une chance que t'as acheté du lait, hein. À la quantité de lait qui se boit ici, la prochaine fois, je pense que c'est une vache que je vais acheter. Ah, oh, ben c'est pas pire. Avec Bill, Pop et Jim, on va pouvoir se partir un zoo. Combien de temps tu comptes les nourrir au compte-gouttes? Ben, le temps qu'il faudra. Oui, puis si leur mère revient pas... Je vais les adopter. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre que t'étais pour dire ça. Célina, les chatons, là, Là, il faut détourner la conversation. On peut pas les garder. Maman, est-ce que t'es en forme ces temps-ci? Essaye pas de détourner la conversation. Non, mais est-ce que tu dors bien? Parce que je trouve que t'as l'air fatiguée quand tu te lèves le matin. Tu trouves? T'as remarqué ça, toi, espèce de fouine? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être à cause de la pleine lune. Parce que quand je me couche... Ouf! J'avais réussi à détourner ce contre-interrogatoire. Mais un doute me saisit. Si elle était somnambule comme moi, après tout, c'est héréditaire. Peut-être qu'elle se levait la nuit pour aller vider le sac de lait. Puis, ben, je sais pas, c'est toujours comme ça. Je suis jamais capable de me rendormir après. Hé, maman, as-tu remarqué que ces temps-ci aussi, il y a quelqu'un qui change jamais le sac de lait? Ah, ben, c'est ça, vivre avec des gars. Non, changer le sac, je pense que c'est pas dans leur gêne. Tu te souviens pas de la chicane que j'avais eue avec Denis, justement, parce qu'il changeait jamais le sac de lait? Ouais. Double ouais. Est-ce que t'as déjà vu ça? Une seule fois. Roswell, Nouveau-Mexique. Alors, on ouvre. La vérité est à l'intérieur. C'est pas moi, là. J'ai rien fait. Tel père, tel fils. En tout cas, tu devrais te coucher tôt ce soir. Célina, j'ai une idée. Oh, ben là, si Claude s'en mêle, je pense que je vous laisse. Je m'en vais me coucher, ma fille me trouve poquée. Oh non, mais c'est pas ce que j'ai dit, là. Je vais aller te rejoindre tout de suite. Bon, c'est quoi ton idée? Ah oui, bon. Pour rattraper notre buveur de lait, j'ai pensé à installer un détecteur au fond du récipient. Si le sac de lait reste vide pendant plus d'une minute, le détecteur envoie un signal à un transmetteur électrique qui, lui, enclenche le grille-pain. Et comme le grille-pain va pas tellement bien... Oui, depuis que t'as essayé de le réparer, hein? Il y a une tranche de pain déjà insérée qui commence à brûler, fait partir le détecteur de fumée, et là, il ne reste plus qu'à cueillir notre coupable. Mais ce qui est super là-dedans, Célina, c'est que c'est hyper, hyper, hyper simple. Pourquoi est-ce qu'il tenait autant à m'aider? Je trouvais ça louche. Et si Claude faisait tout ça pour détourner mon attention? Peut-être que c'est lui. Peut-être que ma mère tombe seulement en amour avec des hommes qui changent jamais le sac de lait. Et c'est comme ça que le signal est transmis. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est génial! Ça marchera jamais. Pendant que je nourrissais les chatons, Marianne et Annabelle s'étaient enfermées. Est-ce que t'es sûre, là, que c'est pas dangereux? Mais pas plus que de traverser la rue. Mais justement, là, il y a plein de monde qui se font frapper en traversant la rue. Donc, tout ce que je dis à Annabelle, là, c'est que je veux pas que l'esprit reste dans la maison, là, comme c'est arrivé chez Mélissa l'autre jour. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît, là, que les objets bougeaient tout seuls dans la maison. Ouais, puis qu'elle a pas pu dormir pendant 3 jours parce qu'elle entendait des voix dans sa chambre. Mais voyons, Marianne, là, Mélissa, elle exagère toujours. Peut-être, là, mais j'ai entendu dire que c'était déjà arrivé à d'autres filles de l'école, puis je veux pas que ça arrive ici. Mais non, ça arrivera pas, là. Regarde, il faut prendre quelques précautions. D'abord, il faut purifier la pièce. Et là, comment on fait ça? Ben, j'ai lu quelque part qu'on pouvait faire brûler de la sauge. De la sauge, on en a pas ici.
Mais je le sais, donc je suis allée chercher du persil. Annabelle, on va pas faire brûler du persil. Mais là, du persil, de la sauge, là, c'est pareil. Puis pour Mélissa, là, inquiète-toi pas, ta connaît est tellement superficielle. Elle a dû poser une question complètement par rapport, là, l'esprit a pas aimé ça, puis ce qu'il faut, là, c'est poser des questions essentielles. Toi, c'est quoi ta question? Ben, je veux savoir si Thierry pense à moi. Annabelle, ton persil est même pas sec, là. Tu vas faire brûler la maison au complet avant de réussir à l'allumer. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, oh, ben, on pourrait faire brûler de l'encens. Penses-tu que ça peut faire? Ouais. Mais là, est-ce que tu penses que ma mère a pu envoyer un signe à travers l'esprit? Ben, ça dépend si c'est un bon esprit, hein. Parce qu'il y a des esprits qui font juste se moquer des vivants. J'ai l'habitude avec mes deux frères ennemis. Bon, ça. Ben, qu'est-ce qu'on attend? Ben, que la température de nos mains soit stable. Ah, oh, puis une dernière chose, si l'esprit est fatigué, on arrête la séance. Ben, ça a l'air de quoi, un esprit fatigué? Ben, voyons, Marianne, là, ça se sent, ces choses-là, hein? Concentre-toi, là. Pendant que les filles entreprenaient finalement leur session de Ouija, un esprit de défi avait pris possession de mon frère. You understand? Elle va voir que je sais ce que je chante, Céline. Manon! Entre! Ouais, t'as fait ça vite? Ah, hey! Comment t'as fait pour l'avoir? Il en reste plus nulle part! Ben, je l'ai réservé il y a un mois. Je savais pas que t'aimais ça, Void! Ben, au début, j'aimais pas tellement ça, mais après une ou deux fois, là, je me suis mis à triper ses riffs de guitare. Hey, les musiciens sont écœurants, puis hey, les paroles, là, sont géniales! Ouais, quand on les comprend. Ah, ben, je vais t'arranger ça! Bon, c'est sûr que depuis mon dernier tournoi en Ontario, là, j'ai pas eu le temps de pratiquer mon anglais beaucoup, mais ça revient vite, hein. Hey, on l'écoute, OK? OK, tiens, Toby. Manolo! Salut, Mathieu. Salut, ma tante. C'est ton nouveau disque, ça, Mano? Oh, c'est parce qu'on était en train de faire un test de physique sur les ondes. Ah! Vous devriez peut-être aller le faire dans le sous-sol? Non, merci, on est correct ici, hein? Ah, non, 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 non! Non, tu serais surpris de constater à quel point l'acoustique du sol est spéciale. Les murs absorbent vraiment les ondes. Puis de ma chambre, j'entendrai rien. OK, j'ai compris. J'ai ça quand t'as fait semblant d'être fine. À ton tour, là, peut-être que tu vas avoir plus de chance que moi. Bon, OK. Moi, je voudrais savoir, là, si... si ma mère, elle pense à moi. Puis si elle me voit. Puis si elle est fière de ce que je suis devenue depuis qu'elle est plus là, parce que... Ben, parce que des fois, là, je me sens un peu abandonnée, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un pour m'écouter. Puis pour me guider aussi, peut-être. Mais là, c'est compliqué comme question, là. Ça bouge? Ça bouge. V. Hey, faut noter, là. Ah, oh, mais là, un VB, là, ça veut rien dire. Et là, je te l'ai dit, là, ta question était pas super claire. Puis si moi, là, qui te connais comme si je t'avais tricoté la laine sur le dos, j'ai pas compris, ben l'esprit a pas compris non plus. Bon, OK, là, je vais y aller simplement. Esprit, est-ce que tu connais ma mère? À ce moment-là, je savais pas encore de quoi il était question. Un. Trois. Oh non, pas 13! 13. C'est sa fête, le 13! Hé, hey, ben tu l'as ta réponse, Marianne, là, l'esprit la connaît! Ou alors il s'est compté jusqu'à 13, hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben là, vous étiez tellement concentrés, vous m'avez jamais entendu entrer. Hey, Marianne, j'espère que tu penses pas vraiment être en contact avec un esprit, là. Oh là, va-t'en! Oh non, mais j'ai juste une petite question à te poser. Ah, ben, t'as juste à poser ta question à l'esprit. Non, merci, Annabelle, ça va aller, là. Hey, je peux pas croire que vous jouez à ça sérieusement. Mais là, as-tu déjà essayé? Ben oui, là, une fois. Puis c'est rien d'autre que des mouvements involontaires des muscles qui font bouger le pointeur. Y a rien de mystérieux là-dedans, hein. Puis t'as essayé juste une fois? Ben oui, j'en ai eu assez. Tu me déçois, Céline.
D'après la méthode scientifique, pour qu'une expérience soit valable, il faut que tu la répètes plusieurs fois avant de tirer des conclusions. Est-ce que j'ai entendu Miss Gel Coiffant hyper tenue parler de méthode scientifique? OK, vous m'avez eu, là, je vais poser ma question à l'esprit. Okay. Bon, il faut que tu mettes tes doigts comme ça. OK, attends, là, je le sais. Bon, maintenant, il faut faire le vide dans nos têtes. Dans son cas, ce sera pas difficile, hein? Esprit, une nouvelle participante nous a rejointe. Elle a une question importante à poser. Donc, je la laisse la poser elle-même. Bon, ma question est simple. Je veux savoir quel est le membre de la famille L'Espérance Laporte qui change jamais le sac de lait. Voyons, c'est bien niaiseux comme question. Mais là, laisse l'esprit juger. M. A. Pendant que l'esprit m'aidait dans mon enquête, mon cousin et mon frère traduisaient. The oath has been crossed. Essaye. Oh, oh, tu sais, avoine, je l'ai vu, là, sur une boîte de céréales. Cross, mais c'est croisé. L'avoine a été croisée. OK, ça parle de manipulation génétique. Non, c'est oath, hein? T-H. C'est serment. Le serment a été brisé. Oath. Oath. The grave has been sacked. OK, le grave a été sacré, peut-être? La grave a été sacrée. Attends, il faut voir le contexte, hein? Non, c'est la tombe a été profanée. C'est ça que ça dit? Puis qu'est-ce qui vient après? Satan is seeking revenge and is looking at you. Qu'est-ce qui me regarde? t'es pas bien, Manolo, tu comprends? Non, c'est Satan qui veut sa revanche puis il te regarde. Je pense que j'aimais mieux ça quand je chantais n'importe quoi. Your home is now Lucifer's playground. Ah! Hey, ta maison, c'est maintenant le terrain de jeu de Lucifer. Son terrain de jeu? Manolo! Manolo! Qui est là? Manolo! T'as appelé les forces du mal. Oui, mais c'est un mauvais numéro. Maintenant qu'on est chez toi, on y reste. Écoute. L'enfer est ici. Ah, c'est correct. Les descendants de tes descendants paieront parce que tu as troublé notre sommeil. Finalement, c'est pas si bon que ça, hein? Mais voyons, Manolo, t'as peur de ça? Hey, t'écoutes des films d'horreur super dégueux. Ben non, j'ai pas peur. Il est bon, lui. Il voit bien que j'ai peur. Me semble, oui. Par les cornes de Belzébuth... Oh, arrête, là, Mathieu! Que les ténèbres se fassent sur cette demeure! Ah! Oh, hey, calme-toi, là. C'est juste une panne, là. Hein? J'aurais besoin d'une lampe de poche dans la salle de lavage, là, hein? Bon, OK, je m'en occupe. Ça... Oui, je monte en haut m'occuper de l'urgence, là. On se rejoint dans la cuisine, hein? OK, du calme. Bon. Bon. Manolo, tu me suis? Oh oui. OK. Attends. Mathieu, as-tu entendu? Non, c'est rien, là. Où est-ce qu'elle a la lampe de poche? Mathieu? Quoi? OK, quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien vu, OK? Rien. Rien. Bon, ouais. Bientôt, j'ai trouvé la lampe de poche. Mais pourquoi ça marche pas, elle? Là, il me semblait que c'était pas dangereux, hein? Mais oui, mais c'est ta demi-sœur, là, qui a tout détraqué. Du calme, les filles, là. Du calme, les filles. Je m'occupe de tout. Oh, puis c'est supposé nous rassurer, ça. Mais là, mais c'est notre faute, Claude. Là, on a voulu communiquer avec les esprits parce qu'on avait des questions importantes à lui poser. Ben, il s'est rien passé jusqu'à ce que Sylna arrive. Attends, je te suis pas, là. Mais suivez-moi. Mais non, mais... Attends, là. Je pense que sa question au sujet du sac de lait vide a probablement déplu à l'esprit. Puis le plus étrange, c'est qu'elle a même eu une réponse. Ben, en fait, je sais pas si c'est Marianne ou Sylna qui a eu une réponse. Là, ça reste à voir, mais... Marianne n'était pas aussitôt arrivée au rez-de-chaussée que... Elle exagérait encore. J'ai vu une face, là. Il y a quelqu'un au sous-sol en haut, quelque chose.
Et moi aussi, j'ai vu quelqu'un. Oui, une silhouette blanche, hein? Et je l'ai vue par la fenêtre. Oui. Et moi aussi, c'était une silhouette blanche. Je te l'avais dit, il faut jamais niaiser le diable. Attendez, là, je pense que j'en ai perdu un bout, là. On est vraiment à deux pas du délire mystique ici, hein? Je pense que ça prend un esprit scientifique critique. Oui, t'as raison, Claude. Merci, Sylvina. Et... Et c'est pourquoi je vais tout vous expliquer. OK, premier mystère, la panne, hein? Vous savez que Claude et moi, on est sur la piste du membre de la famille qui vide toujours le sac de lait sans jamais le remplacer. Et là, c'est Marianne, là, l'esprit nous l'a dit tantôt. Ben oui, mais là, il s'est trompé parce que c'est pas moi. Ouais, ben ça, je vous l'expliquerai plus tard. OK, d'abord la panne. Alors, Claude a eu l'idée d'un système... Brillant. Ouais, mais totalement inefficace. C'est le système qui a causé la panne de courant. Ben oui, mais là, ça explique pas les apparitions. J'y arrive. La figure fantomatique que Marianne a aperçue dans la cage d'escalier provenant du sous-sol, c'était Mathieu qui, en essayant de faire peur à Manolo, a plutôt terrorisé Marianne. La silhouette blanche au sous-sol, c'était ma mère. Elle était descendue pour appeler à Manolo qui avait de l'école le lendemain, mais la panne avait changé ses plans. Elle allait donc chercher des bougies dans le débarras. C'est à ce moment-là que Manolo l'a aperçue quelques instants. Pendant que les gars montaient, elle a trouvé non seulement ses bougies, mais la source des bruits étranges. Oh, pauvre petit mignon. Tu cherches la sortie, hein? J'ai ma bête, je vais te reconduire. C'est drôle, j'avais cru entendre des gars. Ben, c'est alors qu'elle conduisait la mère à ses petits qu'Annabelle a aperçu la silhouette blanche à l'extérieur de la maison. Pour ceux que ça intéresse, Bill et Jim vont très bien depuis que Brittany est revenue. Il y a juste Bob qui a l'air de pas reconnaître sa mère. Oh, Bob, il est vraiment trop cute! Mais inspecteur Sylvina, là, avez-vous trouvé l'identité du veau masqué? Oui, je l'ai trouvé. J'ai taché le récipient du sac de lait. Donc, celui qui a les mains sales et celui qui a fini le sac de lait et l'a pas remplacé. Manolo, montre-moi tes mains. Hein? Ben là, montrez-moi vos mains, tout le monde. Sylvina, avant d'accuser quelqu'un d'autre, je voudrais te faire remarquer que le sac est plein. Tu peux arrêter de chercher. Ah! Mais comment ça, ton foutu système s'est déclenché d'abord? Je sais pas, le portant était bien branché. OK, là, c'est bien beau, là, mais ça explique pas ce qui est arrivé avec le jeu Ouija. Ben ça, c'est moi qui ai fait bouger le pointeur sur les lettres de ton prénom en espérant que t'allais te trahir si c'était toi la coupable. J'en reviens pas. Et tu sais pas tout ce que ça voulait dire pour moi. T'avais pas le droit de jouer avec ça. Super cerveau, hein? Tu sauras que Marianne allait essayer de communiquer avec sa mère. Les choses ne s'étaient pas déroulées exactement comme je l'avais prévu. Et j'avais à régler une affaire complètement différente et beaucoup plus importante. Oh, il est tellement cute! Marianne? Ah, t'es encore là, Annabelle? Ben, excuse-moi, je vais revenir plus tard. Non, j'y allais. Ben, ça va, toi? Oui, ça va être correct, merci. Bye. Marianne, je savais pas pourquoi tu jouais à Ouija, tu sais, je pensais pas que... Ben, je savais pas que... Mais excuse-moi. C'est quoi, Sylvina? Non, mais je comprends que tu m'en veuilles, là. Je comprends ça, c'est normal. Et non, là, je t'en veux pas. C'est juste que je t'envie beaucoup, par exemple. Tu sais, t'as encore ta mère, puis elle est toujours avec toi tout le temps. Puis elle est cool, Victoria. Ben, je suis sûre que ta mère aussi était cool. En fait, elle était comment, ta mère? Ben... Après la gaffe monumentale que j'avais commise, j'aurais jamais pensé pouvoir faire la paix avec ma demi-sœur. De son côté, Manolo a donné son disque d'avoid à Mathieu parce qu'il aurait jamais pu dormir avec ça dans sa chambre. Je crois qu'il regardera plus jamais Mathieu de la même façon. Mais l'affaire du veau masqué restait une énigme complète. Je désespère pas qu'un jour la lumière soit faite sur cette sombre affaire. En attendant...